On parlait beaucoup il y a quelques années des jeux à regarder ou des films à jouer. C'est la question que l'on se posait il y a quelques années quand Heavy Rain était d'actualité, un jeu dont vous savez c'est certain que l'intégralité des critiques vidéoludiques de France se sont dit que c'était probablement le plus grand jeu de tous les temps. Car vous savez, Sean, des choses c'est incroyable, pédigré là. Cependant ici, ce que vous avez c'est le dernier né du studio Supermassive Games, la compagnie qui a réalisé le meilleur exemple du genre, c'est-à-dire Until Dawn, un jeu qui certes est réalisé sur les bases de ce que David Cage avait créé, mais qui va plus loin que ce dont il est capable, car il est scénarisé par des gens qui sont plus compétents. Et ça, c'est un peu la suite spirituelle. C'est de ça dont il sera question à cet épisode-ci d'une émission de critique vidéoludique venue de Belgique, qui s'appelle, je vous le rappelle, Critique Cruelle. Oui, c'est pas une critique cruelle. Si vous êtes arrivé à ce moment particulier de la vidéo, c'est probablement que vous acceptez les conditions d'utilisation de celle-ci. Alors, il se trouve que ce jeu est sorti il y a quelque chose comme 2 jours, donc il y aura obligatoirement des petits spoilers, et vous acceptez les petits spoilers pour un jeu qui a la particularité d'être particulièrement cinématographique, d'être très narratif et bien entendu d'être grosso modo un jeu à quick time events qui est en plus avec un étrange artifice, c'est-à-dire celui d'avoir la qualité esthétique et la qualité d'écriture nécessaire à pouvoir considérer que tout ceci ce n'est pas de la merde comme Life is Strange par exemple, ce n'est pas absolument totalement de la merde, ce n'est pas non plus l'énième saison d'une série Telltale qui amener la compagnie qui avait inventé ce type de plaisanterie à faire faillite. Non, ce que vous avez ici, c'est quelque chose de particulier, quelque chose de sympathique, quelque chose qui mérite d'être vu, c'est-à-dire le nouveau jeu de l'équipe qui avait réalisé Until Dawn, qui bien entendu, le grand slasher qui avait donné ses lettres de noblesse au style, quand il était question de parler de l'incroyable artifice de tuer des gens dans un chalet sur un PlayStation 4. C'est ainsi que l'on parle en France, alors j'imagine que si je veux un jour que cette émission soit de nouveau particulièrement populaire comme elle l'était dans le temps, il faudra faire des parodies de comment parlent les critiques des jeux vidéo français. Mais bien entendu! Alors, ce que vous avez ici, c'est un petit paradoxe, un paradoxe assez simple à comprendre, un système dont on vous dit, il est en train d'essayer d'instiller un mystère en ces lieux. Ce mystère, c'est qu'il y a un Man of Medan, à ne pas confondre avec le Man of Magdan, qui est bel et bien un comique québécois, je pense qu'il est québécois. Salutations à nos frères et sœurs québécois qui sont en train de regarder tout ceci en se demandant précisément ce que c'est un Medan, parce qu'ils savent bien entendu ce que c'est un Magdan, mais alors, qu'est-ce que c'est pas, c'est comme ça qu'on fait l'accent québécois, parce que je comprends pas, pousser le 6. Donc, l'idée très simple, c'est que vous avez un truc, hein, ça s'appelle le Man of Medan, mais qu'est-ce que c'est que le Man of Medan? Est-ce que c'est un artefact délictueux qui est censé vous pousser vers la zone sombre de la mort? Ou est-ce que c'est simplement un étrange objet qui fait que les gens, ils ont tendance à psychoter, ou est-ce simplement un effet psychologique, psycho-affectif? Vous n'en saurez rien, car je ne vais pas aller vous spoiler un jeu qui est sorti il y a littéralement 2 jours. On a un très très high turnover sur ce jeu en particulier. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est normal, c'est parce qu'il dure... Et c'est ça son problème principal, hein, ce qui dure quelque chose comme 6 heures en tout, pour 30€, et qu'il est le premier jeu d'une série que Bandai Namco Entertainment s'est payé fort cher, car voyez-vous, il y a quelques années, les jeux qui étaient, comment dire, on va dire des stand-alone, et des jeux épisodiques du style narratif cinématographico-vidéoludique, vous savez, des films à jouer, ou des jeux à voir, la question se pose, c'était très populaire il y a quelques années, c'est pour ça que Bandai Namco Entertainment s'est payé ceci, alors l'homme n'a jamais vu des toilettes, fait, oh non, est-ce que ce sont des toilettes? Oui, ce sont, oh non, c'est des toilettes qui sont en train de cracher du ketchup! Donc, toujours est-il que c'est ce type de jeu, hein. C'est ainsi qu'on joue dans ce domaine d'activité. Il y a des jumpscares, vous êtes en train de jouer avec votre casque sur le crâne, vous faites « Ah mon dieu, non, ça fait peur !»
parce que vous êtes en train de streamer l'intégralité, c'est une évidence. Cependant, est-ce que c'est inintéressant? Non. Est-ce que c'est un style de gameplay qui est présenté ailleurs de meilleure manière? J'aurais tendance à penser que non, car quand on voit ce qui est possible dans le domaine du David Cage, on se dit simplement ceci, c'est que son problème à lui, hein, c'est qu'il n'est pas scénariste. Il ne sait pas écrire des scénarios, il a du mal à écrire des scénarios. Non, parfois il essaye, hein, il a des étranges fulgurances, comme je ne sais pas moi, quelle était sa dernière étrange fulgurance? Ellen Page, personne ne l'aime, donc elle parle avec un fantôme pendant quelque chose comme 15 heures. Willem Dafoe, il est dans le fond. Willem Dafoe, il est dans le fond. Voilà une phrase qui est facile à faire, mais faut faire l'effort de faire l'affaire. Et de l'autre côté, vous avez quoi? Oui. Clancy Brown III se trouve être un flic avec un peu de bide dans un jeu où il se bat avec Parker Lewis qui ne perd jamais pour s'assurer que les robots caucasiens aient des droits comme les humains. Mais les robots afro-américains... Oh non, des toilettes! Oh non, des toilettes! Je n'avais jamais vu des toilettes de ma vie. Toujours est-il qu'ici, vous avez un jeu qui, certes, arrive à taper plus haut grâce à l'effort scénaristique qui est consenti par deux personnes, c'est-à-dire d'un côté Larry Fessenden, son nom sonne un peu comme des fesses avec un Eden à la fin, et de l'autre côté, Graham Resnick qui, l'un était le scénariste de Hidden Agenda et d'Until Dawn. Hidden Agenda, c'est le Until Dawn du pauvre, n'y jouez pas, il est nul, vous êtes censé y jouer avec votre téléphone portable, c'est-à-dire avec votre smartphone, avec le truchement improbable d'une application qui, sans doute de nos jours, a été détruite, car vous savez, vous regardez cette vidéo dans 15 ans, salut les spectatrices du futur, et donc vous avez des artifices que vous avez l'habitude de voir dans ce type d'acrostiche, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser les touches de votre manette. Alors ici c'est une capture qui est réalisée sur PC, mais vous avez la possibilité de mettre, vous savez, les boutons PlayStation, parce que de nos jours les gens ils jouent à leur PC avec une manette PlayStation, c'est ça que j'essaie de dire. Donc vous pouvez changer les icônes, donc ça c'est facile à lire, vous êtes dans le tac-tac-go, le retour du baboulifiant, vous faites l'effort particulier de fort le faire, vous faites le tour de l'intégralité de cette atmosphère, et j'aurais tendance à vous dire que si vous avez aimé Until Dawn, je peux évidemment vous garantir que ce titre vous plaira. Est-ce que vous avez envie de payer 30 euros plein pot? La réponse est non. C'est un peu cher pour ce que c'est, hein, c'est un peu cher pour ce que c'est, mais c'est bel et bien un jeu de qualité qui, encore et toujours, a été réalisé par un homme qui a scénarisé l'intégralité et qui s'appelle Larry Fessenden. Alors, Larry Fessenden, il travaillait au cinéma, pas comme David de Grutola, donc il sait plus ou moins ce qu'il est censé faire en ce domaine d'activité-là. C'est étrange, c'est comme ça. Je vous rappelle évidemment que c'est dirigé par Tom Heaton, qui avait travaillé sur Until Dawn, des jeux à licence, dont Lord of the Ring, The Fellowship of the Ring, en 2002. C'est un jeu EA Sports. Non, c'était pas un jeu EA Sports, c'est un jeu EA Co. Et aidé dans tout ceci par Dan McDonald, qui avait travaillé sur Burnout Paradise et Burnout Crash en tant que producteur, et qui ici ainsi s'esquisse de ce genre de pas de danse si exquis, c'est-à-dire d'essayer encore et toujours, bah bien entendu, de produire des jeux. Or, pour un jeu, il est bien produit, c'est un jeu qui tourne sur Unreal Engine 4.0, contrairement au précédent, Until Dawn, qui avait la particularité étrange de tourner sur le moteur Decima, vous savez, le moteur Decima, une production Guerrilla Games et Kojima Production. Que ce n'était pas exactement le Fox Engine, mais c'était un engine qui avait des proximités avec le Fox Engine, car vous savez, Sony Konami avait essayé de diviser les prix d'un jeu comme celui-ci, et que voilà, c'est un titre. Qu'est-ce qu'on peut dire sur tout ceci, si ce n'est que c'est un jeu plaisant, mais trop court, qui donne envie de voir ce que l'anthologie, car cette anthologie est un peu comme Twilight Zone, vous savez, les Dark Pictures, qui sont censés être le préfixe de ce jeu, Man of Medan, vous donneront la possibilité de voir d'autres aventures dans le domaine du qui fait peur. Et j'ai hâte de voir des nouvelles aventures dans le domaine du qui fait peur, parce que d'un côté j'ai envie de voir des jeux comme ceci être réalisés par des professionnels, et de l'autre côté, bah, pouvoir finir un jeu en 5 heures en tant que critique vidéoludique semi-professionnel venu de Belgique, bah, c'est comme qui dirait un jour de vacances, hein, vous savez, c'est un jeu, il est vite fini, hein, vous regardez le truc, vous dites ah c'est bien joli les graphismes, et vous dites ah mais quand vais-je devoir appuyer sur un bouton, les gens ah non je dois appuyer sur un bouton, et des choses à ce endroit-là. Donc bref, c'est un jeu que je vous conseille dans quelques mois, quand il sera un peu moins cher, ou quand soudain, de manière assez improbable, Bandai Namco Entertainment aura la judicieuse idée de sortir ce que l'on appelle traditionnellement dans le domaine du collector, un coffret collector. Vous allez acheter le coffret collector, vous aurez tous les jeux dedans, ça vous coûtera moins de 80 euros, parce que j'imagine qu'ils vont sortir 4 ou 5 jeux comme ça, que ça vous coûter entre 120 et 150 euros, et vous allez vous dire mais c'est beaucoup trop cher, c'est Dark Pictures. Alors voilà, ça c'est le concept, vous savez, le type que c'est, genre le curateur de cet étrange Night Gallery, référence bien entendu à l'homme qui avait réalisé la Twilight Zone, dont j'oublie le nom, Rod Serling, et que c'est l'équivalent local de Rod Serling, vous dit est-ce que vous faites des choses bien ou est-ce que vous faites des choses mal? Pensez-y, car la philosophie existe. Et peut-être que vous êtes un sophiste, mais ici nous sommes objectivistes, car il y a des objectifs à remplir, c'est pas ça que ça veut dire, objectiviste, mais toujours est-il que voilà, c'est un jeu que je vous conseille.
dans quelques mois.